Maison de retraite Valhalla. Fondée en 2014 pour Odin et Thor Anderson du groupe Old Gods of Asgard. Pour leurs vieux jours. Construite après la tournée du comeback, Return. Finalement, ce fut leur tournée d'adieu, écourtée, annulée. Étant leur agent, Barry Wheeler s'était débrouillé pour leur extirper quelques tubes avant ça. Balance Slays the Demon et quelques autres. Les vieillards étaient fidèles à leur prénom. Les fêtes après concert dérapaient. La fumée empuantissait l'air. Wheeler plissa les yeux. Sa migraine le lançait. Alcool et drogue. Le cliché du rock'n'roll. Il filait après chaque concert. Wheeler les faisait suivre dans les afters les plus dingues de tous les temps. Odin ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est plus des genoux. Il y a les ténèbres dans l'eau. On a quelques atouts. Et toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais ressenti ça avant. Tu as bien grandi, ma petite saga. Et tu reviens pile à temps. Les forces des ténèbres sont en train de nous ronger. On est trop vieux et trop faible. Tu as le pouvoir en toi, comme tous les Anderson. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas une projection. Odin était vraiment là. On était liés. Alors il serait vraiment de ma famille? C'est ce qui expliquerait tout ça? J'ai jamais eu un lien pareil avec quelqu'un dans mon entremental. Comment c'est possible? Je suis content de t'avoir répondu. Les Vikings sont des voyageurs. Tu es une visionnaire. Tu vois la vérité. Mais ton grand-père t'en dira plus à ce sujet. Sinon, je vais subir ses foudres. Thor est en danger. Tu peux le sauver. Est-ce que mon entremental serait plus qu'une technique psychique? Parfois, mon entremental m'impressionne. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que ça irait plus loin que de la simple intuition? Ok, une chose à la fois. Thor est dans le pétrin. Quand je l'aurai sauvé, il m'en dira sûrement plus. Thor serait donc en danger. Mais qu'est-ce qui se passe? L'étincelle attire les ténèbres. Thor ne pense qu'avec son marteau et pas sa tête. Le putain de prince des ténèbres est de retour. Les ténèbres tiennent Thor. Je peux le sentir. Il est dans sa chambre. Elles veulent l'emporter. Puis ce sera moi. Fais gaffe à Cynthia Weaver. Il y a quelque chose de louche au centre de soins. La laisse pas l'emmener au fond, Saga. Donc le prince des ténèbres, ce serait Grincement? Thor se change en possédé? Je dois le trouver avant qu'il soit trop tard. Arrêtez ça avant que d'autres gens ne souffrent. J'ai trouvé une photo de vous deux avec la secte. Quel rapport avec vous? Thor et moi, on est trop vieux pour ces conneries. Mais on dit jamais non à un verre. La secte arrête pas de nous tanner pour qu'on les rejoigne. Mais nous, on a déjà notre groupe. Et ces crétins savent pas à quoi ils ont affaire. Normal qu'ils veuillent un duo légendaire. Thor et Odin ne font pas partie de la secte. La secte pense qu'Odin et Thor ont quelque chose de spécial. Je commence à comprendre pourquoi. J'ai le rupteur de Wake. Parlez-moi un peu de ce truc. Il vient de la lampe de Tom, échouée sur la rive. Bravo pour l'interrupteur. Il sert d'amplificateur. On peut jouer du rock'n'roll sans lui, mais ça suffit pas pour tout faire péter. L'art, comme les écrits de Tom, peut changer le monde. Mais l'interrupteur changera tout, puissance 1000. Le rupteur a le pouvoir de changer l'histoire.
Sauver Logan. Ça confirme ce qu'a dit Wake. Je dois pas laisser Grincement prendre le rupteur. Les écrits de Tom. Odin doit parler de Wake. Ce qu'écrit Wake change la réalité grâce au rupteur. Est-ce que je peux lui confier un tel pouvoir? J'ai pas vraiment le choix. Thor ne va pas bien. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond ici. Thor est au centre de soins, c'est ça? Non, il... Eh bien oui, mais mieux vaut éviter d'y aller maintenant. Il va falloir que tu me déverrouilles la porte. Ça concerne le FBI. Mais c'est juste que... il y a... des choses qui... D'accord, je vais t'ouvrir. Merci, Rose. Fais attention aux flaques. Tu pourrais te blesser dans le noir. Compris. Merci. Cette femme est super inquiétante.
J'ai besoin d'un truc pour couper ça. Sombre. Désert. Prépare-toi, Saga. Il a l'air bien blessé. Mais il a arraché ses bandages. Pourquoi ? Thor était là. Ça doit être fermé de l'autre côté. Il manque un bouton de porte. Un terminal de sécurité.
J'ai besoin d'un mot de passe et d'un mandat, en principe. Mais bon, j'ai pas le choix. Les frères Koskela ne font pas juste partie de la secte. Ce sont eux les gourous. Le jour, puis le mois. Il utilise le format européen. L'ordi contrôle la porte empruntée par Thor. J'ai tout ce qu'il faut pour deviner le mot de passe. Les portes sont ouvertes.
Il faut que je rattrape Thor. Ça devait être à tort. Immédiatement. Cette eau est extrêmement dangereuse. Cynthia Weaver, je sais que c'est vous. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude. Laissez-le! C'était quoi, ça? Où est passé Thor? Mais qu'est-ce que tu racontes, Saga? Thor se repose dans le centre de soins. Tu te souviens? Quoi? On vient de le voir entrer dans la mare. D'accord. Vous foutez de moi? Ou c'est encore toute cette histoire? Du calme. Et fais attention à ton langage. Je vois très bien qu'elle me ment. Pourquoi? Rose a vu Thor entrer dans le plan d'eau. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? La mission secrète de la plus grande fan d'Alan. Le héros dira « Wake est revenu ». On est des personnages de son histoire.
Ouais, trop bien. Je suis pas un de ces personnages. Mais je peux utiliser cette phrase pour que Rose me dise tout. Wake est revenu. Cynthia a pris tort. Pourquoi elle a fait ça? Quand les ténèbres touchent notre tête, les livres se mélangent. J'ai mis sa lampe dans la boîte à chaussures. Comment s'appelle la dame à la lampe sans sa lampe? Est-ce que Rose parle de Cynthia ou d'elle-même? Ou alors des deux? Rose, Wake est revenu. C'est pas vrai? C'est toi l'héroïne! Tu es là pour sauver Alan! Maintenant, je m'en veux de t'avoir empêché d'aller au centre de soins. J'ai enfermé Thor et Gale là-bas quand ils sont devenus dingues et je voulais te protéger. Avant que j'oublie, voici la page que Wake m'a donnée pour toi. Oh, et tu vas avoir besoin de mes clés. Saga enclencha le sélecteur du jukebox, le disque manquant à sa place. Saga ne l'aurait pas trouvé sans l'aide d'Odin. Une lumière apparut par la fenêtre du jardin. L'histoire d'horreur m'a devancé. Il faut que je sauve Thor. La clé de cet amalgame était un disque des All Gods of Asgard. Odin pourra m'aider. La page mentionne un vinyle manquant. Où est-ce qu'il peut se cacher, Odin? Suivant sa passion, grondant comme l'orage. Ton grand-père a écrit la chanson en guise d'excuse. Pour ta maman Freya et pour toi. Thor est comme l'orage. Ta mère a fait ce qu'il fallait, filer avec toi, même si Thor en a eu le cœur brisé, comme moi. Écoute la chanson, Saga, tout y est. Thor n'en a fait qu'un exemplaire. Il le conserve au musée. Odin connaît le nom de ma mère. Il dit que ma mère est partie avec moi quand j'étais un bébé. C'est possible. Concentre-toi. Le disque est dans le musée. Thor a disparu dans le plan d'eau. C'est encore un amalgame. Forcément. Comment je peux y entrer ? Allez, réfléchis. La page dit que le vinyle ouvrira l'amalgame. Où est-ce la page qui prédétermine ça? Est-ce que je suis qu'un pion dans cette histoire? Mm-hmm.
Anger's Remorse. C'est celui que je cherchais. Mais il n'est plus là. Cynthia a le disque. C'est Cynthia qui l'a. Elle me dira où il se trouve. Est-ce que vous avez des informations sur la secte de l'arbre? Oui, oui. Celui qui recherche un épicéa tombera sur un genévrier. Bloom était l'un d'eux. Il a frappé dans le vide. J'aimerais pas être dans ses chaussures, mais j'aime ses chaussures. J'ai trouvé une pochette de disque. Vous savez où est passé son vinyle? La question n'est pas mon problème. Mais disons que qui vole une aiguille vole un clou. Les merveilles du monde moderne. Musique capturée sur du vinyle, sur bande. Que trouveront-ils ensuite? Mais donnez-vous à Coxy, je suis un homme de la vieille union. Comment saviez-vous que Bloom était dans la secte? Oh, un renard n'est jamais à court de tour. Provoquez un fou et il vous montrera ce qu'il sait. Ha! Bloom aimait parler.
Ken ne sert à rien, ce courant. Pas la peine de pleurer dans l'antre noir. Ce qui a été n'est plus. Mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler des ennuis. Vous pouvez aller au sous-sol vérifier le générateur. Mais prudence! On ne sait jamais dans quel arbre se cache le diable. Le sous-sol. Merci. Faut que je rétablisse le courant. La clé ne sert à rien, ce courant.
peux pas ouvrir ça. Thomas Zane est le sosie de Wake. C'est pour ça qu'Odin l'appelle toujours Tom. Cynthia Weaver avait toujours gardé sa lanterne près d'elle. Elle n'était pas seule dans la salle de bain, dans le noir. L'eau sombre se pressa contre elle. Elle hurla.
un fusible. Ça pourrait servir. Il n'y a plus de jus. Et voilà, le courant est revenu. Cède même pas.
sombrant dans les ténèbres. J'ai besoin d'un truc pour couper ça. Il était trop tard. Cynthia s'intéressait au génie civil. L'ombre noire utilise les souvenirs des gens, leur peur pour les corrompre. Une lanterne. Cynthia s'en servait pour se protéger. Elle était au courant pour l'ombre noire. J'imagine que la femme sur cette photo n'était pas la personne préférée de Cynthia. Thor est un romantique.